Oui, tu es si bon envers moi. Je ne sais pas jusqu'à quel âge ils peuvent aller si c'est trop long. La salle est ouverte à partir ou jusqu'à quel âge? Bon, si c'est trop long, c'est pas grave, je suis de passage. Donc, je suis le pasteur Samuel Amédreau, je suis président du conseil régional de notre église, de l'église protestante unie de France, en région parisienne. Et donc, je vous salue au nom de tous les frères et sœurs que vous avez dans les 70 différentes églises que compose la région parisienne. Et du coup, c'est plus large que Paris, hein, quand même. Pour vous donner une idée un peu, le plus au sud, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Nevers. Vous voyez, Nevers dans la Nièvre. Le plus à l'est, c'est Auxerre, Troyes, voyez. Le plus à l'ouest, c'est Dreux. Dreux, Chartres, peut-être Mantes-la-Jolie, voyez. Et le plus au nord, là on va pas très au nord, c'est Château-Thierry dans l'Aisne, voyez. Et peut-être Cergy, peut-être ça reste... Je regardais Isabelle, je sais pas où elle est, mais... Peut-être c'est le plus au nord, non, Cergy? Vous voyez, et tout ça, il y a 70 églises. Et alors, tous les dimanches, je change d'église, je visite les églises comme ça, au gré des invitations, hein, je m'impose nulle part. Mais au gré des invitations, je vais d'une église à l'autre. Et donc, tous les dimanches, je fais un petit reportage. Je prends 3 photos, donc je vais vous prendre en photo. Et je vais mettre sur les réseaux, vous allez voir votre tête sur... Insta, Facebook, etc. Et les gens suivent un peu comme ça les églises de la région parisienne. Ils disent, ah ben ce dimanche il est là, ce dimanche il est là. Pourquoi je fais ça? D'abord parce que, vous savez, quand on est dans une institution et on fait vivre une institution, c'est très facile de se retrouver hors sol, de déconnecter de la réalité. Et la réalité de l'église, c'est le culte. C'est le dimanche matin, c'est là où on vit l'église, c'est là où le cœur battant de l'église est. Et donc je me promène de culte en culte parce que ça me permet de sentir et de connaître l'église réellement, et pas en théorie, mais en pratique, en réel. Et ça me permet aussi de continuer à être pasteur, c'est-à-dire de prêcher, de faire ce que je pense... Je fais de mieux ou pas. Ce que je préfère faire, c'est pas ce que je fais de mieux, c'est que ce que je préfère faire dans mon ministère, c'est de prêcher l'évangile. Et donc je continue à prêcher tous les dimanches. Ça me permet de... Après, le reste des réunions, c'est des réunions, mais le cœur du ministère, Julien, t'es d'accord, c'est de prêcher. C'est d'annoncer l'évangile, c'est pour ça que le Seigneur nous a appelés. Et donc je veux continuer à pouvoir le faire et je le fais tous les dimanches. C'est un bonheur sans nom pour moi d'être parmi vous. Alors pardon, je vais vous prendre en photo. Puis après je prêche, hein, bien sûr. Mais je vais vous prendre en photo et je vous verrai... Hein? Pardon? Vous voulez sur la main? Oh oui, c'est mieux. Voilà, vous êtes dans la porte. Donc, le texte... Le texte qu'on m'a proposé, demandé d'utiliser pour ce matin, je pense que vous finissez une série sur les béatitudes. Donc, le sermon sur la montagne, Jésus sur la montagne qui voit les foules et qui parle à ses disciples. Et donc, nous sommes dans les deux derniers versets... De Matthieu 5, verset du sermon des Béatitudes, donc Matthieu 5, versets 10 à 12, que je lis. Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir. Quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles, de mensonges à cause de moi, soyez dans la joie, soyez heureux parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Et puis, en écho à ces deux versets de Béatitude, j'ai choisi
de nourrir cette réflexion avec l'épître aux Romains au chapitre 12. Alors j'ai demandé à Sophie si je pouvais lire l'ensemble du chapitre, si c'était pas trop long. C'est pour ça que je parlais de si c'est trop long pour les enfants. Elle m'a dit non, ça va, tu peux lire l'ensemble, tu peux lire. Mais donc, je vous invite à entendre dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes. Mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Nous avons reçu de Dieu des dons et ils sont différents pour chacun de nous. Alors, si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, qu'il parle en accord avec la foi commune à tous. Si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal et attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et comme des sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui en ont besoin et recevez bien ceux qui viennent chez vous. Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaitez du bien et non du mal. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Et ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même. Mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur dit « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Mais il dit aussi « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ô Seigneur, ta parole, c'est la vérité, alors éclaire-nous et rends-nous saints par ta vérité. Amen. Pardon d'avance à ceux qui me subissent une deuxième fois, hein. Oui, c'est vrai, il faut le regarder en face, dans le monde, il y a des chrétiens qui souffrent dans leur foi parce qu'ils sont chrétiens,
parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont persécutés. Il y en a, c'est vrai, qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu, comme dit l'évangile de Matthieu. Il y en a qu'on insulte, qu'on fait souffrir, contre qui on dit toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges, à cause de leur foi en Jésus. Et pour éviter que ces gens disparaissent, il y a des ONG qui se sont levées, qui se sont construites, parfois depuis 30 ans, je crois qu'on fête les 30 ans de portes ouvertes, les 50 ans de portes ouvertes, pardon. L'ONG protestante Portes Ouvertes qui fait l'état des lieux de la persécution des chrétiens dans le monde. Et il y a aussi une ONG catholique qui s'appelle Église en détresse, Aide à l'Église en détresse, qui fait le même travail, et qui ont des chiffres concordants, qui disent des choses semblables. Il y a dans le monde aujourd'hui 76 pays où les chrétiens sont persécutés. Il y en a 40 de plus en 30 ans. C'est-à-dire que la situation s'aggrave d'année en année. Elle ne s'améliore pas. Il y en a 40 de plus en 30 ans. La Corée du Nord, numéro 1. Si vous êtes chrétien en Corée du Nord et que ça c'est, non seulement vous allez en prison, vous risquez votre vie, mais votre famille, vos enfants et vos parents, vos descendants et vos ascendants vont être en prison aussi. La Somalie, numéro 2. Le Yémen, numéro 3. Le Nigeria, numéro 6, c'est là où il y a le plus de chrétiens tués. Mais on peut parler de l'Afghanistan, du Soudan, de la Chine, enfin, l'Indonésie. Il y a aujourd'hui 360 millions de chrétiens persécutés, fortement persécutés dans le monde. Fortement persécutés. 5621 chrétiens ont été tués à cause de leur foi cette année. 5621, c'est-à-dire 15 par jour. Tous les jours, 15 chrétiens tués pour leur foi. 2110 églises ont été ciblées par des attaques ou des fermetures abusives, dont la moitié en Chine. 2110. 4542 chrétiens sont en prison à cause de leur foi, parce qu'ils sont chrétiens. Ils sont en prison aujourd'hui, en ce moment, dont 1750 en Chine. 5259 chrétiens sont kidnappés, dont 4726 au Nigeria. Et là, ce ne sont que les chiffres publiés, c'est-à-dire des situations connues, répertoriées et mises en lumière. C'est-à-dire que nous sommes là devant un iceberg. C'est-à-dire que ce qu'on sait n'a rien à voir avec le dessous de ce qu'on ne sait pas, de ce qui n'a pas été dit. Et dont on sait que ces chiffres sont forcément minorés. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. J'ai eu l'honneur d'être pasteur pendant 6 ans au Maroc. J'étais président de l'église évangélique au Maroc pendant 6 ans. Et je suis arrivé en 2010 à un moment tout à fait particulier de la vie de l'église où 150 missionnaires et pasteurs ont été expulsés du jour au lendemain simplement parce qu'ils étaient pasteurs ou missionnaires. 150, et quand je dis du jour au lendemain, en fait c'est d'une heure sur l'autre. Les policiers ont frappé à la porte en disant « dans 2 heures vous êtes à l'aéroport, on vous emmène ». En laissant tout sur place. Après parfois 10 ans de vie au Maroc, 150 chrétiens. Et donc je suis arrivé dans une église pour être pasteur de cette église, d'une église pétrifiée par la peur. Parce que l'église est composée à 90% ou d'étudiants subsahariens d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale venus faire leurs études au Maroc, ou de migrants qui
après les soubresauts dans leur pays d'origine, essayent de passer en Europe parce qu'il y a des enclaves de Ceuta et Melilla, vous savez. Et donc, ils arrivent là en passant par le Sahara ou par la Mauritanie, souvent à pied, souvent avec des enfants, des mineurs, et ils arrivent là pour passer en Europe. Eh bien, l'Église est pleine de ces gens-là, pétrifiés à l'idée que la police pouvait débarquer du jour au lendemain, fermant l'Église. Et je suis arrivé dans une église où il n'y avait plus de pasteurs. On était deux pasteurs pour l'ensemble du Maroc. Et sur les 6 ans où j'étais pasteur là-bas, on a ouvert 6 églises nouvelles. Une église par an, une nouvelle paroisse par an. Tellement il y avait de monde, les temples étaient pleins. Casablanca, 300 personnes. 300 personnes, 99% subsahariens, avec tagué sur le mur du temple de Casablanca un mot en arabe qui se dit Azia. Et Azia en arabe, c'est le mot pour dire noir, et c'est le même mot pour dire esclave. Azia veut dire en arabe esclave. Et donc ça veut dire que pour les gens du voisinage, ceux qui se réunissent dans l'église sont des esclaves. Ils ne méritent rien d'autre que le mot esclave. Alors on n'était pas persécutés puisqu'on était tous des étrangers. Mais il y avait la police tous les dimanches au culte, dans tous les cultes, à Casa, à Rabat, à Marrakech, à Oujda, à Fès, à Meknès, à Tanger. Il y avait tous les dimanches la police dans les cultes. Je sais que mon téléphone était écouté tous les jours, que tous mes mails étaient lus, et que quand j'allais revoir le ministre de l'Intérieur, il avait un dossier avec tous les gens que j'avais rencontrés, tous ceux que j'avais reçus à la maison, et il savait exactement avec qui j'étais en contact. Il savait tout. Et comme j'essayais de rencontrer les chrétiens marocains en cachette, parce que les chrétiens au Maroc sont des gens qui ne sont pas marocains, c'est des étrangers qui ont le droit de faire le culte. Mais les Marocains n'ont pas le droit d'être chrétiens. Ils sont ou musulmans ou juifs. Chrétiens, c'est interdit. Et c'est interdit non seulement par la police, mais c'est interdit aussi par la loi qui dit « il est interdit d'ébranler la foi des Marocains ». Comprenez ce que vous voulez. Vous êtes trop gentil avec un Marocain, vous ébranlez sa foi. Vous faites de l'entraide, vous ébranlez sa foi. Alors on ne parle pas de faire de l'évangélisation, hein. Vous risquez d'être expulsé du jour au lendemain, du jour au lendemain. Mais les chrétiens marocains qui existent se cachent. Et ils se cachent même de leur propre famille, puisqu'ils ont dû rompre avec la famille. Donc la pression des gens. Vous voyez que quand je vous parle de la persécution des chrétiens, je vous parle de quelque chose qui m'est là dans mes tripes et que j'ai vécu au jour le jour, pendant 6 ans. C'est une expérience personnelle qui rejoint l'histoire des Huguenots français. Nous sommes dans une église qui s'appelait l'Église réformée de France, vous savez, qui s'appelle l'Église protestante unie, parce qu'on a fait l'unité avec les luthériens, mais l'Église réformée de France a dans son ADN d'avoir été une église persécutée. Ça fait partie de notre histoire. Et tous les anciens parmi nous ont ça, au fond, dans leur patrimoine. C'est ce patrimoine, ce qui vient de nos pères. Si nous avons un temple à Saint-Germain-en-Laye, c'est parce que des anciens ont tenu, ont résisté à la persécution qui a commencé dès le début de la Réforme. Première guerre de religion, 1562. Si vous allez dans la salle Jeanne d'Albret, vous verrez le tableau qui raconte cette histoire-là, qui rassemble les premières années du protestantisme réformé, avec le siège de La Rochelle, avec les guerres de religion, les 8 guerres de religion de 1562 à 1598, jusqu'à ce que Henri IV fasse l'édit de Nantes. Et puis après, la persécution au quotidien par Louis XIII, Louis XIV, la révocation de l'édit de Nantes, 300 000 protestants qui fuient la France pour aller en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, fonder les États-Unis, faire l'Afrique du Sud. Des Huguenots qu'on retrouve dans le monde entier parce qu'ils ont dû fuir la France. La France a créé un corps étranger à partir de ses propres enfants. Elle a dit à ses propres enfants qu'ils ne croyaient pas comme les autres, « Vous ne faites plus partie de nous. » La France a fait ça.
Et elle a fait ça, et elle a fait ça jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, qui dit « il n'y a plus de protestants, on détruit tous les temples ». On rase tous les temples, il n'y a plus de protestants en France. Et le petit peuple qui n'a pas pu s'échapper dans la campagne, à l'étranger, est allé se réfugier dans les campagnes. C'est comme ça qu'on a des terroirs protestants qui étaient protestants dans le Poitou, dans la montagne du Tarn, dans les Cévennes, dans la Drôme, dans l'Ardèche, là où les dragons du roi avaient du mal à aller. Voyez, ça fait partie de notre ADN. Et notre ADN a fait que, eh bien, jusqu'en 1787, l'édit de tolérance, les protestants ne pouvaient pas être déclarés. Les naissances, les mariages, les décès, il fallait aller à l'église catholique pour exister socialement. Il n'y avait pas d'état civil. L'état civil a été fait en 1789. La liberté de conscience, les droits de l'homme et du citoyen, c'est 1789. Et encore, ça n'a pas suffi. Il a fallu attendre 1905, la loi de la laïcité écrite par des protestants, pour enfin avoir le droit d'être considérés comme des citoyens normaux, dans notre propre pays. Ça fait partie de notre patrimoine, de votre histoire. Cette histoire des Huguenots qui ont résisté dans leur foi, traversant la persécution. Et si vous allez voir à l'étranger les protestants, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, ils n'ont pas cette histoire-là de la persécution. Ils ne se souviennent pas de ça. Nous devons continuer à nous souvenir de ça. Ça fait partie de notre foi de tenir bon et de rester en communion avec tous les persécutés, parce que c'est notre histoire, c'est nos pères qui ont vécu, qui ont porté et qui ont permis de nous transmettre cette foi-là, cette manière de résister-là. Qu'est-ce que c'est que la persécution ? Je viens de finir le livre, enfin je l'ai fini il y a quelques mois de ça, un livre d'un professeur de théologie de la faculté de Montpellier, vous connaissez peut-être Olivier Abel. Olivier Abel a écrit un livre qui est majeur pour comprendre comment ça fonctionne, qui s'appelle « De l'humiliation ». Si vous avez un livre à lire, c'est pas parce que c'est un prof de philo que c'est compliqué, c'est un magnifique livre pour comprendre comment ça fonctionne. Je cite ce que dit Olivier. Il dit qu'il y a un vent mauvais qui circule dans notre société en ce moment. On vit dans une société, je le cite, où l'on est très sensible aux inégalités. On est très sensible aux violences, mais très peu sensible à l'humiliation, au fait de faire perdre la face aux gens. Vous voyez, se sentir persécuté, humilié, ce n'est pas vraiment quantifiable. On ne peut pas le mesurer avec une échelle plus ou moins persécuté, parce que c'est quelque chose d'extrêmement subjectif qu'on ressent dans son être, qu'on ressent au fond de soi-même. Et c'est parfois ressenti, vécu, même s'il n'y a eu aucune intention d'humilier ou de persécuter. On a tous en mémoire ces histoires-là, où dans les cités, un gamin sort un couteau parce qu'il m'a mal regardé, il plante un coup de couteau, il m'a mal regardé. Il s'est senti humilié par le regard de l'autre. Mais vous savez que c'est un effet de catastrophique, l'humiliation. Le ressenti d'humiliation. On trimballe, ça détruit la personne de l'intérieur et on a des répercussions sur un temps très long, des années encore après, on répercute cette souffrance ressentie. Pensez par exemple aux enfants battus. Les enfants battus qui, immanquablement, s'ils ne sont pas soignés, vont reproduire sur d'autres cette maltraitance vécue. Et quand je dis ça, c'est une question, voyez, vous comprenez que c'est une question de considération, de regard posé sur l'autre, d'attention que l'on porte à l'autre. Et il arrive que ce ne soit pas seulement des personnes qui humilient des personnes, mais aussi des institutions qui humilient des personnes. Et je dis ça parce que je suis responsable d'une institution,
je suis président de conseil régional, donc je suis responsable de l'institution Église. Et il arrive que les institutions soient maltraitantes sans même le vouloir. Pensez simplement, quand la majorité impose par la force sa décision à une minorité, la minorité le vit comme étant une humiliation. On ne m'a pas considéré, on m'a mal regardé. Mais pensez, ça vous est tous arrivé, je suis sûr, de vous retrouver à un guichet d'administration, la CAF, la Sécu, les impôts, et d'être confronté à une personne derrière son guichet qui a un petit pouvoir, mais qui a surtout un gros pouvoir de nuisance pour vous, qui peut vous bloquer votre dossier, qui peut vous bloquer simplement parce que tu sais pas quoi, son café était pas chaud ce matin, enfin, elle a pas eu le câlin hier soir, enfin j'en sais rien, on sait pas trop pourquoi, mais on se retrouve humilié par une institution qui est vécue par des gens qui ont pas l'impression de voir humilié. Eh bien, je cite encore Olivier Abel qui dit l'humiliation offense, au sens fort du terme, elle offense. Elle ridiculise, elle avilit, d'ailleurs elle rend vile, quoi. On se sent sale. Elle fait taire celui qui veut parler. Elle lui fait honte de ses expressions, de ses croyances, de ses goûts, parce qu'elle ne croit pas comme tout le monde, on la tourne en ridicule. Et cela ruine la confiance en soi, l'estime de soi. Vous savez, le regard qu'on pose sur soi-même, qu'on peut se regarder le matin dans le miroir et se dire j'estime la personne que je suis est une personne honorable. Eh bien, ça touche à ce regard qu'on porte sur soi-même, l'humiliation et la persécution. Elle laisse derrière elle, dit Olivier Abel, une parole dérisoire, ou fanatique. On devrait réfléchir à comment on construit la radicalisation, le fanatisme religieux ou autre, par l'humiliation qu'on a laissée, qui laisse des traces terribles. Il arrive que les personnes et les institutions soient maltraitantes, y compris sans le vouloir. L'humiliation, au sens propre du terme, met par terre. Vous savez, humus, humiliation vient de humus, humus, le sol. Ça met plus bas que terre. Quelqu'un en dessous du sol, vous voyez, met par terre. L'humiliation, soit elle vous montre comme un monstre, vous savez, comme Elephant Man qu'on montrait dans les foires, quoi. Elle vous ridiculise comme une bête de foire. On rit de vous, on montre aux enfants, ha ha ha. Ou bien, elle vous fait taire, elle vous coupe la parole, elle empêche de parler celui qui voudrait dire quelque chose. L'humiliation est une persécution qui fait disparaître l'être humain, qui élimine celui dont l'existence est niée. C'est une offense qui ne se quantifie pas comme un préjudice, et c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller devant les tribunaux dire « réparez-moi ce préjudice-là ». Ça ne se gère pas au tribunal, l'offense. On ne peut pas quantifier, on ne peut pas réparer, on peut juste demander pardon quand on a blessé sans le vouloir. Voilà un double défi spirituel pour nous, dit l'Évangile. Le premier défi face à nos frères et sœurs persécutés, humiliés dans leur foi, parce qu'ils sont chrétiens. Le premier défi est faire ce que l'apôtre Paul nous demande, aider les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Eh bien, nous nous trouvons là au cœur de ce qu'on appelle la communion des saints. Ils sont saints, nous sommes saints, nous sommes en communion avec eux. Ils font partie de nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit, nous faisons partie du même corps. Et quand une partie du corps souffre, tout le corps souffre. Nous devons ressentir dans nos tripes, pardon pour l'expression, il ne faut pas dire ce mot-là, hein, si on peut.
Ça va? C'est bon. À l'intérieur, voyez, il faut que ça nous bouge de l'intérieur, la souffrance de nos frères et de nos sœurs, c'est la nôtre. Nous devons la faire nôtre. Et nous devons les porter dans notre prière pour les mettre devant Dieu et dans la lumière de Dieu, sous le regard des hommes. Le pire de l'humiliation et de la persécution, c'est rendre invisibles les gens. Qu'on ne les voit plus, qu'ils ne comptent plus, que leur existence ne compte plus. Notre travail de chrétien, merci à Portes Ouvertes de le faire, merci à Église en Détresse de le faire, c'est de mettre en lumière, de dire ces personnes comptent. Et j'aime que le décompte soit précis, qu'on ne dise pas il y a environ 5000 personnes tuées. Non, non, il y a 5146 personnes dont on connaît les noms qui ont été tuées. C'est très important de les mettre dans la lumière de Dieu et de diffuser le témoignage, de dire nous, ils comptent pour nous, nous les aimons, ce sont les nôtres, nous les mettons devant Dieu, devant le regard des hommes, on veut les faire disparaître, nous les mettons dans la lumière. Et puis aider les chrétiens qui en ont besoin, cela veut dire celui qui est par terre, il faut le remettre debout. Le plus grave dans la vie, c'est pas de tomber, c'est de rester par terre. Ce que nous pouvons faire, nous, chrétiens, qui ne sommes pas persécutés, je ne me sens pas du tout persécuté, moi. Mais ce que j'ai à faire, ma responsabilité de chrétien, c'est de remettre debout celui qui est dans l'humus, celui qu'on a humilié, de le remettre debout et de regarder dans ses yeux et lui dire « Dieu t'aime, je t'aime, nous t'aimons, nous te portons dans notre cœur. Le Seigneur, tu as du prix aux yeux du Seigneur. » Tu as du prix aux yeux du Seigneur, dit le prophète Ésaïe. Eh bien, je rêve d'une église qui se tient auprès de ceux qui n'ont jamais le droit à la parole, ceux qu'on a fait tomber, ceux qu'on a humiliés, ceux qu'on a fait taire, ceux qu'on a ramenés plus bas que terre. Et je sais que vous le faites ici à Saint-Germain. Je le sais par l'hiver solidaire, je le sais par ces femmes dans les ateliers de couture, je le sais par les 6 Ukrainiens que vous accueillez et que vous hébergez, je le sais que vous avez à cœur de le faire. C'est essentiel à l'évangile, c'est pas une partie annexe, c'est le cœur de l'évangile, de paroles et des actes, mettre des gens debout. Et quand vous faites cela, remettre des gens debout, vous pratiquez la résurrection en actes. Vous êtes des agents propagateurs de la résurrection. Remettre des gens debout, dans leur vie, dans leur existence, dans leur dignité, dans leur estime de soi. Gloire à Dieu. C'est notre travail. Deuxième défi spirituel, peut-être encore plus compliqué. Ami très cher, dit Paul, ne vous vengez pas vous-même. Laissez la colère de Dieu agir. Ne réponds pas au mal par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois vainqueur du mal par le bien. Nous avons à lutter contre un sentiment qui monte en nous, qui est un sentiment de colère et de ressentiment. Jésus dit dans le sermon sur la montagne, « Vous êtes heureux si on vous persécute. » Soyez dans la joie. Et pourtant, nous sentons en nous monter le ressentiment et la colère contre les bourreaux. On aimerait bien que les bourreaux subissent un peu ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils perpétuent aux autres. Et c'est un véritable combat spirituel contre la haine que nous avons à mener en nous-mêmes. Nous devons retrouver ce combat de Martin Luther King qui disait « Il ne suffit pas de se battre pour les droits civiques, des gens humiliés parce qu'ils sont blacks. Il faut convertir le cœur des blancs pour que les blacks cessent d'être humiliés, mais pour que les blancs cessent aussi de détruire leur propre humanité en s'attaquant à l'humanité des autres. » Nous devons changer les cœurs, gagner les consciences, non pas abattre des ennemis, non pas éliminer des adversaires. Notre travail
de chrétiens. C'est l'amour des ennemis. Toutes les religions parlent de l'amour des frères, de la communauté. Les seuls qui disent le christianisme commence à l'amour des ennemis. Et le Christ l'a vécu sur la croix. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour des ennemis, Jésus l'a vécu sur la croix. C'est le cœur du message chrétien. C'est ici que nous commençons à devenir chrétiens, quand nous réussissons à aimer ceux qui nous persécutent et à faire du bien, à donner à manger à notre ennemi qui a faim, à donner à boire à notre ennemi qui a soif et à ne pas se laisser vaincre par le mal. Vous voyez ce combat, hein ? J'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que c'était le travail du Christ en nous. Voilà. Voilà, nous sommes là au cœur de ce message porté par le Christ dans les Béatitudes qui suscite l'opposition du monde. C'est ce message-là qui va susciter la persécution et l'humiliation. Et je m'inquiète beaucoup pour les églises qui sont trop bien intégrées dans le monde, dont la préoccupation première est de bien communiquer et d'être bien vues, de séduire le monde qui nous entoure, dans lequel nous vivons, être conforme, comme dit l'apôtre Paul, au monde moderne, mais qui, du coup, cherche uniquement à gagner cette guerre de l'attention pour qu'on les regarde. En vérité, je pense qu'elles suivent les coutumes du monde dans lequel nous vivons et elles ne rencontrent plus que de l'indifférence. La vérité, c'est que les gens quittent les églises qui ne disent rien et qui n'apportent rien de neuf, rien de différent de ce qu'on entend partout ailleurs. C'est quel est le message central des Béatitudes ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que dit Jésus qui peut provoquer la persécution et l'humiliation des chrétiens ? Est-ce qu'il propose aux disciples de prendre notre mal en patience en disant « Attendez, le royaume des cieux va venir, pour l'instant tenez bon. » Est-ce qu'il leur dit « Soyez patients, ça ira mieux demain. » Est-ce qu'il leur dit « Est-ce que vous croyez que c'est ça, le message du Christ ? Et que si c'était ça le message du Christ, cela provoquerait des insultes, des mensonges et l'opposition du monde ?» Quand les chrétiens se contentent de dire « Prenez votre mal en patience, mes amis, Dieu va vous tout arranger quand vous serez morts. » Alors ils ne font rien d'autre que de faire plaisir au monde, qui se retrouve bien tranquille, et surtout pas du tout bousculé, pas du tout contesté, pas du tout dérangé. Quand les chrétiens disent « Ça ira mieux demain, quand le royaume de Dieu sera là », ils ne font que foutre la paix au monde. Ce n'est pas le message de Jésus dans les Béatitudes. Il ne dit pas « ça ira mieux demain ». Et je voudrais vous le montrer en vous racontant une petite histoire. C'est l'histoire d'un gars qui va consulter un psychiatre. « Docteur, j'ai un problème. Tous les soirs, quand je me couche, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est caché sous mon lit. » Alors je me relève pour regarder sous le lit. Et bien sûr, il n'y a personne. Alors je me recouche, mais au bout d'un moment, je me dis que j'ai peut-être pas bien regardé. Alors je me relève pour vérifier à nouveau, sans résultat, bien entendu. Bref, j'ai beau me dire que c'est idiot, mais je ressens toujours le besoin de me rassurer et de m'assurer que personne ne s'est caché sous mon lit pendant la nuit. Docteur, ça me pourrit la vie. Pouvez-vous faire quelque chose ? Et bien sûr, le psychiatre prend un air très professionnel, très docte, je vois, obsessionnel compulsif, d'entretien de psychothérapie, à raison de 3 séances par semaine, je vous guéris de votre obsession. Le patient dit, mais combien ça va vous coûter, docteur ? Le psychiatre répond, écoutez, je suis en secteur 2, non conventionné, c'est 100 € la séance. Et le patient peut déconcerter, bon, écoutez, je vais réfléchir,
Et 6 mois plus tard, le psychiatre rencontre le type dans la rue par hasard et il dit alors, mais pourquoi vous n'êtes pas revenu me voir? Le patient répond, écoutez, 4 ans de traitement à 100 euros la séance, mon livreur de pizza m'a résolu mon problème tout de suite pour 5 euros. Le psychiatre vexé dit, mais votre livreur de pizza, vraiment? Comment il a fait? Le patient répond, mais c'est très simple, il m'a conseillé simplement de scier les pieds de mon lit. Chers amis, n'attendez pas le royaume de Dieu pour être heureux, dit Jésus. C'est ça le message des Béatitudes. Le royaume de Dieu, c'est pas pour demain, c'est pas pour quand vous serez mort. Il est à l'œuvre ici et maintenant, au cœur de la réalité, par la présence de Jésus dans notre existence, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu s'est approché, cela veut dire que depuis que Jésus est venu dans notre vie, le royaume de Dieu a commencé. Voyez, dans les Béatitudes, la première partie des Béatitudes, le premier terme, c'est la réalité du monde. Il y a ceux qui pleurent, les assoiffés de justice, les miséricordieux. Un monde pas simple, traversé par et l'espérance d'un monde meilleur et la souffrance d'un monde réel. La quête de justice, la quête de paix, de souffle, de consolation, de douceur, de miséricorde. Vous avez vu tout ça, les autres béatitudes. Un monde à habiter et à transformer. Le premier enseignement de Jésus à ses disciples est d'une simplicité lumineuse. Il dit une chose très claire, très simple, la joie, le bonheur de vivre, c'est pas pour demain, pour le futur, pour après la mort. L'évangile ne nous appelle ni à nous conformer au monde moderne, dit Romains 12, ni à nous échapper de ce monde en nous créant, en imaginant un arrière-monde où tout sera rose, où tout sera miel. C'est pour ici et c'est pour maintenant, pour tous et pour chacun, dans cette foule que Jésus regarde du haut de la montagne. Le monde n'a pas besoin d'une projection, d'un plan d'avenir, d'un « ça ira mieux demain ». Ça, les politiciens s'en chargent. Regardez la télé en ce moment, vous verrez. Le monde a besoin d'une réalité transformée, n'est-ce pas? Jouir du bonheur de vivre, c'est ici et maintenant, dit Jésus, parce que le royaume de Dieu a déjà commencé. Et l'intervention de Dieu, c'est l'autre partie de la béatitude, le second terme dans chaque béatitude qui est dit au futur. Ils seront consolés, ils recevront la terre en partage, ils verront Dieu. Pourquoi au futur? Mais tout simplement parce que c'est notre part du boulot. C'est l'engagement des chrétiens que Jésus réclame. C'est notre engagement. Afin, dit-il, qu'en voyant le bien que vous faites, ils rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux, en voyant le bien que vous faites, vous chrétiens. La gloire de Dieu, ce n'est pas la gloriole ou la vanité d'un petit Dieu qui a besoin qu'on s'agenouille devant lui comme un petit potentat local, un vulgaire chef d'État qui ne supporte ni la contradiction ni l'opposition et qui ne cherche que la servilité de ses partisans. La gloire de Dieu, c'est sa présence ici et maintenant, dans ce monde, au milieu de nous. La béatitude, c'est un enseignement pour les disciples du Christ, un appel, une vocation, une mission, une feuille de route, un cahier des charges. Choisissez le mot qui vous convient. Pour chacun et pour chacune d'entre nous, c'est notre responsabilité que de rendre actuelle la présence du Christ dans ce monde. Si nous ne le faisons pas, il ne se passera rien. Rien d'autre que des promesses non tenues. C'est notre job de chrétien de rendre le Christ présent dans ce monde. Pas seulement dans ce temple, dans ce monde. C'est ce que nous devons faire. Le bonheur du monde, dit Jésus, se joue dans la remise en route. Et il dit « heureux », mais vous savez, « chouraki » traduit par « en marche » ou « debout ».« Debout, sainte cohorte ».
sortir les gens de la paralysie, de l'impression d'être scotchés dans leur existence, qu'ils voient toujours passer les trains et c'est jamais eux qui sont dans le train. De vous savez, ce monde où c'est toujours les autres qui gagnent. Parce qu'eux, ils sont bloqués, scotchés, paralysés, empêchés. Et je vous invite à comprendre ce mot empêché, de l'écrire en un mot, empêché, et en deux mots, empêché. C'est ça le péché, c'est d'être bloqué dans sa vie, de ne pas pouvoir porter sa propre existence soi-même. Remettre les gens debout. Le monde attend d'être régénéré. Le monde empêché attend d'être régénéré, c'est-à-dire au sens propre du terme, une seconde genèse. Régénéré. À nouveau, à la fois une guérison, une libération, pour jouir de bonheur de vivre ici et maintenant. Pour être, que chacun puisse dire, ah, la vie est belle, non ? Bien sûr, cette remise en route crée une tension entre la réalité qui est douloureuse, pénible, et le bonheur qu'il y a à reprendre en main sa propre existence, à accomplir sa propre vie en redevenant acteur, responsable, en créant une vie nouvelle par son action, par l'action du Christ qui passe à travers nous. Être non conforme au monde, comme l'appelle l'apôtre Paul. Être non conforme au monde ne signifie pas sortir du monde ou se contenter de le dénoncer comme un spectateur qui commente l'actualité, voyez, qui regarde les choses de l'extérieur et qui dit « Oh là là, que c'est malheureux ce qui se passe !» Oh, regardez le monde sur le rebord du monde et commenter. Nous ne sommes pas des commentateurs du monde, nous sommes des acteurs du monde. Nous sommes dans ce monde pour le transformer, pour le changer. En faisant venir le Christ, par notre parole et par nos actes. Vous savez, il y a un mot, notre monde est contaminé par une affection gravissime qui porte un nom scientifique très précis. Vous allez repartir avec un mot, si vous êtes embêté pendant ce culte, vous allez repartir avec un mot, vous allez pouvoir le placer dans une conversation mondaine. Ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme. Retenez ça, ultra-crépidarianisme. C'est ce comportement qui consiste à donner son avis sans avoir de connaissances sur le sujet. C'est très commun dans le monde, des gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. L'ultra-crépidarianisme, c'est commenter le monde sans connaître la chose. Eh bien, nous ne sommes pas des commentateurs du monde, mais des acteurs pour apporter un ferment de liberté, une pincée de sel dont le monde a besoin pour ne pas devenir fou. Je voudrais terminer là en vous citant quelques mots de Jacques Ellul. Vous connaissez peut-être Jacques Ellul, dans un de ses nombreux livres qui a écrit « Éthique de la liberté ». Il dit, je le cite, « Le chrétien doit accepter les conséquences de sa profession de foi de chrétien. Il ne peut pas se contenter de dire « Parce que je crois, je suis sauvé, j'ai à vivre les vertus chrétiennes ». En réalité, il doit accepter de dire « Parce que je crois, je suis responsable de la présence de l'Esprit au milieu des hommes. » L'erreur serait, je continue la citation de Jacques Ellul, « L'erreur serait de croire que les hommes construisent leur monde, ce qui est très bien devant Dieu, et que les chrétiens ont y ajouté l'amour et la liberté. » En réalité, à ce moment, ce n'est plus que du vent. Et l'on s'engage dans un effort nouveau de civilisation qui échouera comme les autres, dit Jacques Ellul. Notre rôle, si vous l'acceptez, votre mission, il s'agit d'arracher les choses du monde au pouvoir des puissances qui les paralysent pour les remettre entre les mains du Christ, sous son autorité, en son pouvoir, sortir de la fatalité pour ouvrir à la liberté et rendre la décision possible. C'est cela la régénération du monde nouveau. Non pas repartir de zéro en faisant table rase de notre vie, non pas attendre le royaume de Dieu comme on attend la mort en se disant « ça ira mieux demain », mais bien rendre la puissance vitale qui nous met debout. Voilà l'autorité qui est la nôtre en tant que chrétiens,
une autorité d'être au service du monde et du bonheur du monde ici et maintenant. Le royaume de Dieu a commencé. Amen. Je l'ai.